Salut à tous, je m'appelle Théo Valls, j'ai 24 ans et je joue milieu de terrain et je suis très heureux aujourd'hui d'être ici pour pouvoir continuer l'aventure avec les Servettes et donc voilà, j'espère qu'on va faire une super saison. Et aider le club, oui, justement avec mon expérience aussi et montrer ce que je sais faire et moi aussi peut-être prendre plus de responsabilités et de pouvoir évoluer aussi ici, de prendre plus confiance et de voilà, quand on a l'appui comme ça du club et de tout le monde dans le staff. C'est vrai que c'est gratifiant et je pense que ça va m'aider à réaliser une belle saison. Bon, ça doit être très jeune, hein, je pense à l'âge de 12 ans environ. Voilà, c'est vrai que mon père aimait beaucoup ça, donc c'était une affaire de famille, on va dire. Et voilà, donc du coup, je me suis lancé au Nîmes Olympique et c'est vrai que j'ai fait toute ma préformation et ma formation là-bas. Et voilà, jusqu'à mes débuts en pro et voilà, ces années que j'ai fait en Ligue 2 où on a réussi à monter, à se maintenir et voilà, à jouer aussi beaucoup de matchs en Ligue 1. Ouais. J'ai connu que le championnat français, enfin la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc on va voir ici ce que ça donne. Hein. Je sais qu'il y a quand même de belles équipes aussi dans ce championnat. Donc voilà, ça va être intéressant de jouer ce genre de match. Surtout qu'il y a 10 équipes. Donc voilà, c'est vrai qu'on va faire plusieurs confrontations envers les mêmes équipes. Donc voilà, ça va être intéressant de découvrir ce championnat. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez souriant, hein. Je pense facile à vivre. Hein. C'est vrai que je m'entends en général bien avec tout le monde, donc je pense que l'adaptation, ça va se faire naturellement et facilement. Et après, sur le terrain, ben voilà, je suis quand même un garçon du Sud, quoi. Donc c'est vrai que j'ai du tempérament, j'essaie de le mettre sur le terrain. Et voilà, j'espère que cette année, je vais montrer tout ça. Et aussi, je pense avoir des qualités techniques, et donc j'espère aussi pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain. Ouais. Ouais, j'espère. C'est vrai qu'ils ont fait une super saison la saison passée, donc j'espère qu'on va pouvoir réitérer tout ça. C'est vrai que je pense qu'ils ont une équipe ambitieuse et un projet ambitieux. Donc c'est ça aussi qui a fait passer la balance et qui m'a donné envie de venir ici. C'est justement avoir voilà, un projet sportif et une équipe qui joue au ballon, quoi. C'est vraiment ce qui était important pour moi. Et je pense que c'est ça et donc ça va nous aider à titiller les 2-3 équipes qui sont championnats, qui sont en général dans le haut tableau. Et voilà, j'espère qu'on va aller le plus haut possible.